me. Les deux. J'ai des carnets. Des carnets sur lesquels j'écris des espèces de journaux. Sur lesquels j'écris sans souci, sans jugement du tout sur ce que j'écris, simplement où j'accumule des sensations, des réactions par rapport à des choses qui m'arrivent ou qui arrivent, ou que j'ai vues, ou que j'ai. Voilà, par rapport à des choses du vécu. Et dans ce fugit-là, il y a des choses que je me dis, tiens, où je sens que je vais pouvoir aller plus loin, qui vont. Et à ce moment-là, j'écris sur ordinateur. J'écris direct. Quand j'ai isolé, enfin finalement, quand j'ai mûri un petit peu l'idée de. Encore. L'idée vague de ce qui pourrait être un poème, qui mériterait pour moi d'être travaillé, je vais sur l'ordinateur. Et l'ordinateur, ça a été le traitement du texte. Quand il est apparu, donc avant j'écrivais avec une machine à écrire, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est-à-dire quand on fait une faute sur une page, il faut recommencer la page. Voilà. Où j'écrivais à la main et j'avais un énorme problème de commencer. Je n'arrivais pas. Enfin, je l'écrivais quand même à la main d'abord, puis à la machine d'après, puisque c'était tellement compliqué. On pouvait l'écrire à la machine, il fallait être sûr de ce qu'on allait écrire. Donc, j'avais un énorme problème de commencer, de poser le premier mot. C'était vraiment. Je mettais du temps et j'arrivais pas à m'y résoudre. À partir du moment où il y a eu le traitement de texte par ordinateur, et donc. Qu'un mot, il pouvait soit être effacé, mais aussi conservé. Donc on pouvait conserver toutes les variantes qu'on avait eues, et on pouvait aussi les effacer ou les garder en réserve quelque part, et puis les copier. Pour moi, ça a été une dynamique, je ne sais pas comment. Voilà. Je commençais beaucoup plus vite. Comme si c'était beaucoup plus léger de commencer, puisqu'on pouvait tellement corriger, tellement facilement corriger. Donc, en fait, il y a ce matériau qui est dans mes cahiers, et les poèmes, les textes, je les écris directement, avec beaucoup de coupés, beaucoup de retouches, mais beaucoup de versions. C'est bon, tiens, de conserver toutes les versions. On peut sauvegarder toutes les versions. Donc voilà, l'ordinateur, pour moi, c'est un très bel outil.